Good morgen, allez, Iden, et si ce soir, je reviens à François Fagi Ben Chana, Janine Ruth Ben Fortuny Mazal Fritna et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous céder une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sachet Lushin, Derek Alef Mishnah Yehoud. Kolosse Mizvachat, Metivinlo, Umarichin lo Yamav, Venochel et Aaretz. Le Chol Shen, Ose Mizvachat, En Metivinlo. On a une Mishnah qui a ici, on va changer de sujet, c'est compliqué à comprendre le rapport qu'il y a avec les Mishnahs précédente, et elle est en soi-même assez complexe à comprendre son sens exact. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la manière d'acquérir les choses, bien immobilier, bien mobilier, les esclaves. Après, on s'est mis à parler des mitzvot relatives aux hommes, relatives aux femmes, les autres relatives à la terre d'Israël, est-ce qu'il faut les accomplir en Chutz La'aretz ou pas? Et à présent, on a la dernière Mishnah de ce chapitre qui va changer d'un tout autre sujet, qui va nous parler d'un tout autre sujet. C'est l'importance des mitzvot et du bien-être qu'on va en jouir si on va l'accomplir. Quel est le rapport avec le reste du chapitre? Ce n'est pas vraiment le problème des commentateurs. Personne ne s'est soucié tellement d'expliquer. D'après ce que j'ai vu, quoi, personne n'a expliqué le rapport avec le reste du chapitre. Je pense qu'il y a peut-être un certain rapport, c'est que jusqu'à maintenant, on parlait comment acquérir la chose, puis maintenant, on va acquérir dans le futur. Probablement, c'est ça le rapport qu'il y a entre eux. Il y a maintenant la Mishnah dans son contenu, elle est assez complexe parce qu'elle semble affirmer des choses que la Gemara va en réalité limiter, expliquer que la Mishnah parle dans un cadre très précis. Soit tu as déjà la première phrase. Kol haoseh mitzvah, tout celui qui accomplit une seule mitzvah, metivinlo, on va lui faire du bien-être. On marichonlo yamav, on va lui rallonger ses jours. Et il va même hériter de la terre. Alors quoi? C'est-à-dire qu'on a perdu une personne qui a fait une mitzvah, donc il a fait 50 000 avérotes, apparemment. Et puis il a fait une petite mitzvah, du coup on va lui faire du bien-être. Et on va lui rallonger ses jours. Et on lui va aussi hériter de la terre. C'est quoi hériter de la terre d'ailleurs? Alors sur ça maintenant, on a plusieurs explications. Je vais rester d'abord avec l'explication du Barthénora. C'est la conclusion de la Gemara. On parle en réalité d'une personne qui a moitié méritant, moitié avérante. Et la Mishnah vient me dire, sache que tu es peut-être à la limite entre le plus et le moins, et tu as besoin de rajouter une petite mitzvah pour faire tout basculer dans le bon sens. Et du coup, la Mishnah, elle va me dire, sache que tout celui qui va faire, tout le Benoni, toute personne qui est entre moitié-moitié, sache qu'avec une mitzvah, il va faire tout basculer dans le bon sens. Pourquoi? Parce que dès qu'il a la majorité de mitzvot, eh bien, on va faire Rubo Kekulo, la majorité c'est comme la totalité, et puis il va jour de trois bien-être, qui est, on va lui faire du bien, on va lui rallonger ses jours, et puis il va même hériter de la terre, Eretz Achaim, le cimetière. On explique maintenant un petit peu mieux de quoi on parle. Si vous faites attention, mettez évidemment, on va lui faire du bien-être. Marichon le Yamav, on lui rallonger ses jours. Le Barthénora nous dit déjà, attention, alors la Mabar pour le monde futur, la Gemara parle en rapport, qu'il y avait deux personnes à deux étapes différentes, Elisha Ben Abouya, c'était une des deux, qui ont vu une scène très difficile à encaisser. Ils ont vu un père qui avait demandé à son fils, va, monte sur l'arbre, chasse la mer et prends, tu vois le nid là-bas, chasse la mer et prends les œufs, amène-les-moi. Et le fils, il va faire l'acte, accomplir la mitzvah de son père. Il chasse la mer, il prend les œufs pendant qu'il tombe, pendant qu'il descend, il tombe, il meurt. Là, c'est une scène très compliquée parce que la Torah nous donne à deux reprises sur la mitzvah de Shelo Haken, la manière Chon Yamecha, que tes jours vont se rallonger quand tu accompliras cette mitzvah, comme je t'ai dit de le faire. Et à part ça, Kibudobem, Leman, Yarichon Yamecha, Leman Yirbu Yamechem, dans la salle de Libros, là-bas, écrit qu'Hachem va rallonger nos jours. Et malgré que la Torah nous dit que sur ces deux mitzvot qu'on va avoir
la vie longue, l'enfant tombe, descend de l'arbre et meurt immédiatement. C'est quoi cette histoire? Suite à ça, Ali Elisha et Ben Abouya est arrivé là où il est arrivé. Et on a justement Rabbi Yaakov, je crois, dans la marque, c'est son petit-fils d'ailleurs, que Rabbi Yaakov qui veut expliquer, non, il a vu la même scène, il a dit, ben, forcément, il faut interpréter que ce qu'il a écrit qu'on va rallonger ses jours, c'est pas rallonger ses jours sur Terre, c'est qu'on va lui faire le permettre, on va lui donner le droit d'entrer au monde éternel. Où là-bas, il y aura le Yom Shekulor, d'accord? Et à part ça, maintenant, notre Haaretz, on va lui donner un bel héritage, il va mourir en Kavod, avec un enterré comme il faut et tout ça. Voilà pour la première partie, selon le Barthénora. Et j'entame aussi tout de suite la réciproque. Et après, je vais apporter un petit supplément sur mon petit peuple Israël. Un point très important. On a maintenant, par contre, Vechol Shenon Semizvah, par contre, tous ceux qui ne vont pas faire la misa supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va se mettre une mazen qui était entre les deux, non, pire que ça, il était Avonotav Merubin Mimasa, Mitzvotav, il avait plus d'Averot que de Mitzvot. Alors là, ce qu'il a fait ensuite, c'est qu'il n'a pas fait la petite misa supplémentaire, ou même les deux les autres pour faire basculer dans le bien. Et bien dans ce cas-là, El Metivin, on ne va pas lui faire du bien. El Marino Yamav, on ne va pas lui faire rallonger ses jours, ou clamer au Olamaba. Et Venon Ochel Tares, il ne va pas hériter de la terre. D'accord? Tel que c'est écrit maintenant, alors c'est assez clair, c'est quelqu'un qui a la majorité de la majorité. Point super important, je vais le dire depuis le début déjà. C'est quand on te dit que tu as fait plus de misotes ou plus d'adhérents ou tes ex-échos, ça ne fonctionne pas avec le. Ça peut juste de la quantité. C'est aussi, il faut considérer la qualité et mettre des points pondérés selon le rapport et des misotes plus graves, des misotes qui ont moins de poids et elles sont toutes très lourdes. Mais malgré tout, il y a des misotes qui sont plus primordiales sur d'autres. Et il y a même idem avec la vérote. Il y a aussi des manières de les réaliser, les misotes et la vérote, avec combien d'entrain et combien de légèreté, ou au contraire, avec combien de... D'accord? Donc du coup, une fois qu'on sait qu'on est une personne qui est à moitié-moitié, alors la Mishnah vient me dire ça jusqu'à maintenant. Chaque personne, en réalité, le message qu'on prend le message, c'est de dire, chaque personne qui a une mitzvah qui se présente devant lui, qui se hâte de la faire comme il se doit, parce que peut-être que c'est Bidouk, la mitzvah qui va faire tout basculer. Ok? Le Tiferet Israël, maintenant, rapporte une explication très jolie aussi. C'est pour expliquer d'abord qu'on parle de trois bienfaits sur Terre. C'est qu'on va lui donner, et la Mishnah n'est pas venue dire que celui qui fait des mitzvot, il va jouir de tout ce qu'il faut, et tout celui qui fait de la verot, il va avoir que des misères. La Mishnah n'a pas dit qu'il va avoir des misères, du tout. La Mishnah a juste dit qu'il y a une bienveillance du ciel, que celui qui fait une misa supplémentaire, qui va faire que maintenant il va basculer dans le plus, alors il va avoir une shmira, Hachem qui a une bienveillance spéciale d'Hachem sur lui, que de temps en temps on va lui arrondir les angles, on va lui faire du bien, là où il devait tomber, on va veiller à ce qu'il ne va pas tomber, là où il devait, on va lui donner du ciel, il va avoir une Hachgacha spéciale. On n'a pas dit que ce sera toujours comme ça, mais on a dit qu'il y aura malgré tout, il jouira de ça. La différence de celui qui fait une Avera, qui faisait de l'Avera et qui n'a pas fait la misa supplémentaire, alors lui, on n'a pas dit qu'il va mourir de faim, on n'a pas dit qu'il va avoir que des misères, pas du tout. Mais en tout cas, il est livré, il ne va pas avoir la Hashgacha d'Hachem, la providence d'Hachem qui va veiller à ses petits soins du tout. On va livrer à la nature, si selon la statistique, quand tu roules en voiture une fois sur 100, il y a un grave accident, ben si c'est le centième, ben il aura l'accident, il n'aura pas de bienveillance spéciale, d'accord? C'est dans ce sens-là qu'on a dit qu'on ne va pas lui faire du bien, on ne va pas lui rallonger ses jours, il ne va pas hériter de la terre aussi. Qui sont trois expressions pour expliquer le bien-être qu'il y a sur Terre, en parenthèse. D'accord? Du fait d'Israël, il est bien mobilier, le bien dans sa famille, la tranquillité. Deuxième partie de la Mishnah. Kol shel yeshno bamikra ou bamishno bederretz lobim era ou chote. Toute personne qui est habituée à lire du mikra des psukim de la Torah, ou bien Mishnah, et à étudier des Mishnayot, la Torah chez Balpé. Ou bien Derech Eretz aussi, il est occupé à travailler. Que quoi? Qu'il a des contacts avec ses voisins, en tout respect. Okay? Il a du Derech Eretz, ils font du bien envers ses voisins, envers ses clients.
Alors la Mishnah va me dire, sache qu'une personne qui a ces trois choses, ces trois points-là, qui étudie la Torah orale, la Torah écrite, la Torah orale, et qu'en plus de ça, il entretient des bons contacts avec ses voisins, sache qu'une telle personne, l'obimehera ou choté, sache qu'il n'est pas proche de fauter prochainement. Il a préservé de la faute grâce à ce mode de vie qu'il a, où il a tous les points essentiels qui sont là. La Torah orale, la Torah écrite, et avoir des bons contacts avec ses voisins, un bon voisinage, une bonne clientèle aussi. L'obimehera ou choté, donc il ne va pas fauter prochainement, il est préservé. Shenemar ba'achut ha'meshulash l'obimehera inatek. Comme le pasuk nous dit, achut ha'meshulash, c'est un fil tissé. Vous savez, quand on tisse un fil, on prend des fibres, on fait des premiers tissages, puis après, on tord ça ensemble. Regarde le fil de tissit, c'est très fréquent de voir. On voit facilement les torsades. D'accord? Il y a maintenant donc une torsade qui a trois fils. L'obimera inatek, il ne sera pas prochainement déchiré, coupé. D'accord? Donc on apprend là en fait un remède pour que prendre ces trois poils-là, Torah Shebirtav, Torah Shebalpé et Derech Eretz, et que l'obimera inatek, que quelqu'un qui est bien ancré dans ça, il tombera pas prochainement. Par contre, Vechol Shino, l'Oba Mikra, l'Oba Mishan, l'Oba Derech Eretz, par contre, toute personne qui n'est ni dans le Mikra, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'habitude de lire des psukim de la Torah, et ni dans les Mishnah. Il n'est même pas des Mishnah. Et en plus de ça, il ne travaille même pas avec ses voisins, il est dans sa petite bulle, et bien sache qu'une personne pareille est nominée Yishuv, il n'est pas apte à être considéré parmi les terrestres. C'est-à-dire quoi, comme il dit le partenaire, mais non, mais il est Yishuv Hashalam. Il nomine Yishuv, il n'a pas d'intérêt pour le monde, c'est un parasite. Et pire que ça, et lorsqu'il est, c'est considéré comme un moshav letzim, et donc dans ce cas-là, il devient pasoul laïdout pour une personne qui n'a pas ces trois points là, la santé de corps, il est pasoul laïdout, il est invalidé pour le témoignage. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la sacrée pour tout le monde.